Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Regardez, du manger! Oui! Oh, un œuf de poule. Une œuf de poule. Mais bon, j'en ferai rien, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai coupé des arbres dans l'épisode précédent et là, je viens de trouver une pomme. Une, hein, pas deux. pour l'instant, non, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Mais c'est toujours ça de pris. On va couper un petit peu la gueule à des pousses d'arbres. Et puis on va avoir, enfin, des morceaux d'arbres qui volent là. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, nous allons retourner à notre champ. En espérant que ça pousse réellement. Parce que c'est un peu triste quand même, hein. Tiens, encore un arbre à couper. En niveau bois, je vais avoir ce qu'il faut. Mais je ne suis point un castor. Je ne mange pas de bois. Donc voilà. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je n'ai toujours pas tué le lapin. Mais on va aller voir s'il n'est pas encore dans mon champ. Parce que sinon, à force, je vais commencer à m'énerver. Oh non, il a fallu que tu me fasses un arbre débile. Excusez-moi, mais c'est pas marrant ces arbres. Ah, regarde-moi ça, la vache, la chance que j'ai. Allez, ça y est, c'est bon, les champs commencent à donner correctement. C'est tellement long avant d'avoir des récoltes. Wow. Et en plus, ça m'a donné beaucoup de graines. Donc, enfin, enfin, enfin. Donc je vais replanter un petit peu ici. Je sais pas ce que je fais. Ça y est, je suis contente. Là, je vais avoir du pain. Hop là. Parce que bon, tant que j'ai pas ce qu'il me faut, je peux rien faire. Tant que t'as pas à manger, tu peux pas partir à l'aventure. Bon, je sais très bien que l'aventure avec Orphéa, c'est de torcher, mais. Ah, oh, bah surtout que j'ai plus de hache. Ah, bah on va aller en faire une. Attends, je te coupe, toi. Hop. Il est pourri le temps, je trouve. Je sais pas. Non, il fait pas nuit, le soleil est là. Ou c'est l'arbre qui faisait énormément d'ombre, peut-être. Ouais. Il commence à se démonter, donc déjà de base. Alors, le lapin n'est plus là. Il a compris qu'il n'avait rien à faire ici, au pays d'Orphéa. Il a eu peur. J'ai fait peur à un lapin! Je fais peur au lapin! Oh, j'ai fait peur au lapin. Ah bah avec ça, on aura vachement d'avance pour la suite. Tout manger. Fini mon assiette, maman. J'ai tout mangé. Bon, on va voir si on trouve des pommes. Parce que ce serait bête de couper des arbres et de ne pas profiter des fruits. Les arbres sont radins comme des peignes. Oh purée, c'est un lapin, j'ai eu trop peur. Comment tu m'as foutu la trouille, toi? Y a rien. Je pense que c'est le cochon qui doit manger mes pommes quand elles descendent. Ouais, j'invente. Ouais, je sais. Bon, et eh bien c'est tout, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est dégueulasse. Le jeu ne m'aime pas. Le jeu veut me voir partir. La map dit dégage Orphéa, t'es moche. Non, elle est pas moche, Orphéa. Peut-être pas aidée par la nature, mais elle est pas moche. Elle a le droit de manger, bordel.
Une chose est sûre, je ne vais pas me coucher tout de suite. On va attendre qu'il y ait des monstres qui apparaissent un petit peu. Et puis je vais peut-être aller me faire une hache, j'aurai l'air un petit peu moins con. Hein? Allez. Ah, pousse. Attends, je vais couper un peu plus. Bon, là, en attendant, je suis remontée à bloc. Ouais. Bon, allez, laisse tomber. Je vais aller me faire une hache. Oh, encore un petit peu. Super. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de pris. Et si j'arrivais à tomber dans le champ histoire de tout péter. Si j'arrivais à me convaincre de ne pas me coucher tout de suite et laisser un petit peu des monstres apparaître. Le souci étant que. Bah, je vais avoir la trouille. Et il va y avoir des creepers également. Donc les creepers, ça peut bousiller un petit peu tout le bordel. Pour parler poliment. Donc c'est pas marrant. Attends, 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 attends. Mais non, 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 des bâtons, t'en as déjà 2 millions. Ça suffit. Hop, on va se faire des torches. Mais oui, bien sûr. T'as vu? T'as vu l'état d'Orphéa, là? Elle panique. Elle va attendre des monstres. Donc elle a. Oui, voilà, elle a une foi. Orphéa est une pleutresse. Et donc, elle est morte de trouille avec pas grand-chose. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je vais également me refaire une pioche parce que je viens de voir que je me baladais quand même avec une pioche pourrie. Et que si je trouvais quelque chose à piocher, je ne pourrais rien en faire. Alors, allez. Coffre. Exactly. Il m'énerve ce lapin. Sérieusement, je pense qu'il va décéder. Mon coffre, je vais le mettre ici. Dedans, je vais ranger tout ce dont je n'ai pas tellement besoin. C'est vrai que de la laine, j'en ai beaucoup. Mais. Un lit. Oula. Hop là. Les planches, je vais m'en garder quand même un petit peu. Tout ce qui est pété là, c'est pas la peine. Et ça, c'est pareil. Là, ça, je vais le manger. Dès que j'ai faim. Oh merde, il fait déjà nuit. C'est assez éclairé partout, tu penses? Y a toujours un lapin, un monstre. On va attendre un petit peu de voir des monstres. Pour l'instant, le seul monstre que nous avons, c'est donc un lapin qui saute dans mes plantations. Il m'énerve. Voilà. Non mais j'ai pas. Bon. J'ai jamais peur moi, franchement. Dégage de ma porte, toi tu me fais peur. Là-haut, c'est un cheval. Ou un mouton. Oh, c'est un Underman, putain, tu parles d'un cheval. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon. Voilà.
Là-bas. Je vois pas de monstre. Il y en a pourtant, normalement. C'est pas normalement, c'est qu'il y en a. Ce que j'ai faim, c'est que je suis pas en créatif, hein. Je suis pas en paisible. Et là, ça ressemble bien quand même à un Underman. Il bouge un petit peu une fois de temps en temps. Bon. Et là, avec ce lapin à la con, mais je pense qu'il va y passer. Là-bas, on a un zombie, je pense. Ah, c'est encore un Underman, mais pas ça. Oh putain, deux Underman. La vache. La vache, la vache. Ah! Un zombie. Bon. Il y a assez de monstres là, hein. Je me couche et puis au réveil on va voir s'il y a des nonos. Ah, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine fois suite. À plus tout le monde.